J'ai mon pyjama. J'ai un pyjama de Noël qui écrit OK, but first presents. Alors, comment allez-vous? Comment ça se passe dans le pays dans lequel vous vous trouvez? Tous les produits seront en barre d'infos si ça vous tente. Ah. Hier, il faut que je vous dise, j'ai croisé un rasoir et et je suis partie sur un délire de l'artiste encore une fois. J'ai rasé mon visage déjà, comme souvent. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et en plus de ça, j'ai fini par raser mon sourcil comme je voulais faire en fait. Je vous dis, oh, bah, tant que j'y suis, alors c'est fait exprès que ce soit comme ça, n'inquiétez pas. C'est parce que j'aime continuer la ligne plus loin pour avoir plus d'espace. Je vais vous montrer en action quoi ça ressemble. Et c'est là que une crème à sourcils ou un crayon à sourcils un peu plus gras, pour moi, c'est un peu plus important. Parce que le crayon à sourcils que j'utilise un peu plus cireux, ben, c'est un peu clair. Et du coup, c'est un peu moins cool, mais bon. Normalement, je l'ai bientôt terminé. C'est l'astuce du moment. C'est pas grave si ça fond, hein. Ça repousse beaucoup trop vite, de toute façon. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles du front? Ma pelouse. Je vais faire tout mon visage. Moi, ça va bien mieux. On a continué à regarder la série Ozark. Alors, autant au début, on n'était pas super inspirés. Finalement, ça se goupille assez bien, j'aime bien. Moi, je trouve ça cool. Par contre, les épisodes de 1 heure, quoi. Non, c'est trop long. Moi, j'aime bien quand les séries elles font 30 minutes. C'est l'idéal. Mais parallèlement, sans Mathieu, j'ai commencé à regarder la série Elite. Et comment vous dire? Je suis accro. J'adore cette série. Et en plus, le fait que ce soit en espagnol. Premièrement, j'adore entendre l'accent espagnol d'Espagne, qui est très différent de celui qui est sud-américain. J'aime beaucoup l'écouter. Ça me fait du bien. Ça me fait voyager. Alors, je vais prendre la couleur qui s'appelle Geodude. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un look assez vert, puisque je veux redonner la chance au vert de cette palette. Et il y a aussi une couleur que j'ai jamais testée. Donc, on va faire un semi-cut crease, je pense. Ouais, et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. J'aime l'histoire, j'aime que ce soit un truc avec des adolescents fortunés, mais d'un autre côté, un meurtre, un décès. Je ne vous spoil rien, vous le savez dès le début. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il y a Casa de Papel qui arrive très bientôt aussi, au mois d'avril, qui va nous aider à passer le confinement. Alors, je sais qu'en France et au Canada, nous ne sommes pas confinés depuis le même moment. Nous, ça va faire obligatoire, je pense que c'était quoi, mardi? Ouais, mardi. Donc au moment où vous allez voir ça, ça va faire presque une semaine. Et même si je suis quelqu'un qui aime rester à la maison, j'aime bien avoir des options. Et le fait qu'on me dise, ben, ça c'est fermé, ça c'est ça. Et le fait, il y a aussi cette histoire à côté que tu fais jamais rien correct. Tu passes ton temps à culpabiliser, à faire culpabiliser, à te faire culpabiliser. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, t'as l'impression que c'est pas la bonne chose à faire. Genre, tu veux acheter quelque chose, les gens t'engueulent parce que ça met des vies à risque. Mais si tu veux pas acheter quelque chose, tu te sens mal parce que tu fais pas rouler l'économie ou il y a des travailleurs indépendants qui comptent sur toi aussi. Je sais pas, genre tu veux sortir mais t'as peur de choper quelque chose ou contaminer quelqu'un. Ou tu sais que, si par exemple moi je suis porteur saine et que je porte le truc et que quelqu'un à cause de moi soit contaminé, ça me fait peur. Donc je sais pas, je vis constamment dans cette peur là en ce moment et bah, du coup bah, je bouge plus. Je reste chez moi. Je prends la couleur qui s'appelle Jade, c'était la couleur que j'avais pas aimée les premières fois que j'avais testé cette palette là. Donc on va y donner une chance.
le fait d'utiliser cette palette plus souvent avec vous aussi, c'est la So Jaded si jamais vous venez d'arriver. Tout est dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Le fait d'utiliser cette palette, ça me fait faire plein de combinaisons de looks et franchement, je suis pas mécontente de ça. Ça me permet de l'apprivoiser et de l'exploiter à son maximum. Et là, je pourrais dire à la fin que j'ai utilisé toutes les couleurs. Et ça, c'est assez cool. Je pense qu'il reste juste une que j'ai pas utilisée, je pense. Je pense. Parce que des fois, tu sais, tu peux avoir une mauvaise journée de make-up et utiliser une palette et te dire, bon, c'était la merde. Là, ça a l'air de bien se passer, je sais pas. Donc voilà, où est-ce qu'on en est. Donc tous les jours, nous, on a communiqué de presse du Premier ministre du Canada. De temps en temps, on a communiqué de presse du Premier ministre du Québec, parce que ce sont deux choses différentes. Il est là tous les jours aussi. Il est là tous les jours, Monsieur Legault ? Ouais, à 1 heure. À 1 heure. Bon, ben voilà, je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose. Eh ben c'est bien, je suis très contente. Donc, désormais, je vais regarder les deux. Parce que j'écoutais juste celui du Canada. C'est déjà assez long. Hein. Moi j'aime bien que la presse vient poser des questions et les premiers ministres répondent la même chose 10 fois. Parce que tu sais, je veux bien que tu sois premier ministre. T'as une coupe de réponses que tu peux donner, étant donné que t'es une situation d'urgence. La presse continue à poser la même question. Mais c'est pas parce que tu l'as posée 3 fois qu'il y aura une nouvelle réponse, en fait, je vais te dire. Mais. Et je comprends aussi que les gens veulent avoir une réponse, c'est normal. Bref, c'est tout ce qu'on écoute. Et je me tiens loin des faits divers, des il paraît que machin a vécu ci ou ça, je m'en fous. Je veux pas. Je veux continuer à vivre avec la nouvelle qu'on me donne et pas être mésinformé, désinformé. Voilà. Je reste sur ma position où. J'essaye toujours de chercher des trucs positifs face à cette situation. Et je me dis que si la Chine a réussi à s'en sortir, on va s'en sortir. Quand, je ne sais pas. Ça fait juste même pas une semaine qu'on est confiné et j'ai déjà peur, tu vois. Et au début, je prenais pas ça au sérieux. Et je me dis, mais non, mais les gens, ils capotent pour rien. Mais non, en fait, je pense qu'on a essayé tous de repousser l'échéance de « c'est un peu grave, il va falloir faire attention ». Et c'est ce que ça veut dire que peut-être plus tard on va toujours vivre dans la peur des genre oh la grippe arrive. Voilà. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être oui hein, parce que ça va nous apprendre à connaître les mesures plus urgentes, peut-être à agir mieux, à pas agir que pour sa gueule aussi. Donc c'est peut-être pas plus mal. J'ai pris la couleur qui s'appelle Stoned. Je sais pas si ça c'était un bon truc. Attends. Ah, ça c'est bien. Pour accentuer encore un peu plus. Donc maintenant j'ai un colloque pendant la journée. Hein chérie? Je suis pas un colloque. Bah si. Qu'est-ce que tu es sinon? Collègue. Non, t'es pas mon collègue du tout. Faire un thumbnail par semaine n'est pas un collègue. J'ai pas dit j'étais un collègue qui travaillait beaucoup. Ah. Oui, c'est Mathieu qui fait mon thumbnail des hauts, lentilles, hauts, je ne sais pas, détourer. Et tant qu'il veut bien le faire pour moi, je le lui demande. Si un jour je me retrouve... à la croisée des chemins, je vais devoir l'apprendre par moi-même, mais écoute. Ouais, donc c'est ça, nous vivons à deux. Ça va, ça se passe bien, ça se passe bien. De toute façon, on a toujours aimé être ensemble, donc... Ça se passe bien, ça fait 2 jours. Ça fait... Oui, bah, il y a des... attends, dites-moi... Okay, là, j'ai compris, faut que j'aille. Dites-moi dans les commentaires si après 2 jours, il y a des gens qui se sont déjà commencé à se taper sur la gueule. Il y a des gens qui sont pas faits pour habiter ensemble. Déjà, je te vois tous les jours. Oui, un coup de 2 heures par jour. Oui. Ou tu peux venir ici si tu veux t'exprimer. Non, non, je vais te la voir hors champ. Je suis pas habillée. Les gens, ils pensent que je te cache derrière la vidéo. Hein.
Oui, je suis caché derrière le rideau. Il est là. C'est lui. C'est Mathieu. En fait, Mathieu a toujours été le petit lapin céramique. Hello. Non, non, mais... je suis une voix dans ta tête. Oui, mais dans la tête de tout le monde, hein, c'est l'impression. Eh oui. Donc, c'est ça. Non, ça fait juste... Là, on est week-end. On est samedi. Pour, je sais pas quand les gens l'écoutent, mais... Ça, ça va être début de la semaine. Bon. Là, présentement, on est samedi. Je n'ai travaillé... Il y a une journée seulement que je n'étais pas au travail et c'était vendredi. Donc, hein? C'est comme un long week-end présentement. Tout va bien. C'est un long week-end sans activité extérieure. Comme tout le week-end. Non, mais on va au marché, on fait des petites courses. Avant, on allait au marché. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était le monde d'avant. Voilà. Avant les drones et les patrouilles dans les rues. Il n'y a pas ça ici. Attends, demain. Non. C'est parce que le problème, c'est que les drones, on les a commandés en Chine, donc ça peut être là. On les a commandés sur Wish. Donc, on a. C'est pas vrai, ok. Faut pas prendre tout ce qu'il dit pour du cash. Vas-y, continue de parler, je fais un 4 cuisses. 4 cuisses, everybody. C'est quoi un 4 cuisses? C'est dans les yeux. Ouais. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Tu cut le crease. Et ça fait quel effet? Ça fait un crease coupé. Un jour, faudrait que tu m'en fasses. J'ai fait des gaufres, c'est déjà pas pire. C'est où le crease? Le crease, c'est... Montre sur mon œil. C'est après la malbaie. Vas-y, montre sur mes yeux, c'est où le crease? Le crease, c'est la ligne de la paupière entre le haut et la paupière. Ça fait... Vous voyez, il y a une ligne. Ah, comment tu sais ça? J'ai... Ben, un crease, je sais que c'est un pli. J'ai présumé que c'était le pli. J'ai improvisé. Waouh. Parce que je m'en sors toujours. Donc là, tu définis cette ligne. Oui. En utilisant un ton plus pâle. Exactement, mon chéri. Vous voyez? C'est ça qui se passe. Donc, c'est ça. Présentement, le confinement est au jour 2. Donc, tout va bien. On n'est pas rendu fou encore. Ah, chacha. Ah, tout le monde est là. Chachou. Tu veux pas faire mien? Tu veux pas être la voix hors champ, toi aussi? Bon, donc, on est tous là. Imaginez-nous. On est cute. Ben, ils te voient, donc ils savent qu'on est cute. Mais toi aussi, t'es cute. Oh, cette vieille chose. Cette vieille chose. Oh. Donc, c'est ça. On n'en est pas... En France, ça fait combien de temps qu'ils sont confinés? Ben, 2 semaines, je crois. Bon. 2-3 semaines. Nous, on est à 2 jours. Ils ont donné l'ordre mardi. Non, lundi. Oui, mais pour que mardi... Pour que mardi minuit, tout ce qui est non essentiel soit fermé. Mais nous, on n'a pas de contrôle dans les rues, on peut encore se balader. Bon, il y a même des gens qui ont pris ça un peu trop lousse, puis ils se promènent au milieu de la rue avec leur trottinette. Et qui est dans notre rue? Ouais, donc si vous vous reconnaissez... Merci personne. Merci personne. Il y a des gens qui ont commencé à manger de la dinde de Thanksgiving. Est-ce que tu penses que ça serait envisageable qu'on puisse remettre le sapin de Noël? Pourquoi ils ont mangé la dinde de Thanksgiving? Ils mangent leur restant ou... Non, il y en a qui ont acheté de la dinde. Parce que ça peut tenir plusieurs jours. Ah ouais, non, mais avec une dinde, tu tiens une bonne semaine et demie. Surtout que t'as pas le droit d'inviter ta parenté. Donc t'as juste, mettons, ta petite famille immédiate à manger de la dinde. Oui, tu peux manger de la dinde. Ils sont deux. Ah, donc ils vont manger de la dinde 3 semaines comme nous on avait fait à l'époque. Ouais. À l'époque, on avait de la dinde. Vous savez, cette époque où on pouvait magasiner de la dinde. Cette époque où il restait des animaux. Hier, on regardait un film, il y avait des gens dans une épicerie, et puis ils étaient genre 15. J'ai dit, oh, tu te rappelles cette époque où on pouvait aller faire l'épicerie? J'ai l'impression que ça fait super longtemps. Alors que ça fait une semaine qu'on est allé à l'épicerie. Ben, que je suis allé à l'épicerie. Oui, ben moi ça fait longtemps. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, parce que moi j'y vais après le travail. Tu te rappelles l'époque où j'allais au travail? C'était jeudi dernier. C'était avant-hier. C'était avant-hier. Ah, la belle époque. Good times. Ouais, nous on est déjà... on n'est pas rendu fou, mais on est en mode full nostalgie. On dit, ah ouais, c'était avant. Les enfants pouvaient jouer dans les parcs.
avant qu'ils mettent du ruban danger autour des manèges dans les parcs. Ça, c'est vrai. Il y a un parc à côté de chez nous où les balançoires, les toboggans, j'allais dire glissades. Non, ici, ça n'existe pas une glissade. Ici? Oui. Là-bas? Mmh. Oui, mais moi, je suis ici. Toi, t'es ici? C'est ça. Ici, c'est des glissades. Chez vous, c'est des toboggans. Mais bref, ils ont mis du ruban danger de police autour pour plus que les enfants aient joué au parc. Pour leur dire, restez chez vous. Oui. Toute l'année, ils nous ont cassé les couilles à vouloir jouer au iPad et à Fortnite. Là, c'est le temps. Mmh. On s'enferme dans le sous-sol et piou, piou, piou. On fait des puzzlés. Qu'est-ce que t'en penses, Chacho? Donc, je n'ai aucun contrôle sur cette vidéo, je vous laisse avec mon mari. La voix hors champ. Toi aussi, tu veux te la voix hors champ? Yo. Bon. Ben, nous, on va y aller. Donc, bonne chance à tous. Restez à l'intérieur. J'espère que vous êtes avec des gens que vous aimez et non des gens que vous tolérez parce que demain, vous ne les tolérez plus. Bon, nous, on y va. Ciao. Merci pour votre intervention, monsieur. J'ai eu le temps de récupérer mon code cuisse à la va comme je te pousse. Ça existe encore cette expression? Ça a été annulé. Non, merde. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tiger Eye et je ne l'ai jamais utilisée. Donc on va essayer ça sans eau pour le moment. Ouh. Ouais, c'est une couleur très jolie. Waouh! Regardez la palette, c'est pas la première couleur qui me venait, genre, lorsque je voulais utiliser. J'étais agréablement surprise que quelqu'un me demande si je faisais du Botox. Ça n'est pas encore le cas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Emerald. Ma mère m'a offert ses pinceaux quand elle avait été en vacances au Panama, mais c'est tellement lourd, c'est en métal et du coup pour tenir et maquiller avec c'est vraiment pas facile, mais c'est pas des mauvais pinceaux, c'est juste que ouf, c'est là que je me rends compte qu'il faut qu'un pinceau soit bien balancé pour pouvoir être utilisé, et je suis aussi contente que ma mère m'offre des pinceaux. Mes parents ils se sont jamais trouvé que le maquillage était quelque chose de viable ou sérieux, et ils ont toujours été utiles à offrir quelque chose qui était peut-être plus utile, des serviettes de plage. Mais là je suis contente, je commence à connaître ma passion enfin, et je vais mettre la couleur magnifique qui s'appelle Peridot, mais par dessus je vais mettre des paillettes, c'était pour tester les paillettes. Peridot. Ok, Peridot, je sais qu'elle est magnifique. Cette nuit, j'ai rêvé de Daisy Perkins. Si vous voulez savoir ce qui se passe. Non, je ne suis plus sous antihistaminique. Tout ce que je vais faire comme rêve désormais sont des rêves de... Tu n'as aucune excuse. Ah, j'ai rêvé qu'elle faisait partie des Spice Girls pour un show. Je vais prendre les paillettes qui s'appellent Topaz et je vais les prendre avec un petit pinceau à détail. Alors pourquoi je prends Topaz? Parce qu'il y a un sous-ton vert à l'intérieur, mais qu'à la base c'est quand même du cuivré. Mais... il me semble que je les ai déjà utilisées, mais je ne suis plus sûre. Alors non, on n'a pas besoin de glitter glue après, c'est des paillettes pressées avec déjà un mixing médium à l'intérieur. C'est un peu gras, on dirait qu'il y a quand même un petit gel dedans. Ouais, j'aime bien. Je vais peut-être ajouter un petit peu de... stoned. Très contente de ce look. Je n'ai toujours pas de lingette. Il me reste du coton. Je vais utiliser ça pendant qu'il y en a encore. Puis après ça, je passerai au linge microfibre. Pour moi, c'est plus facile.
j'essaye de trouver d'autres alternatives aux lingettes, ce qui n'est pas plus mal. Cool, je suis très contente de ce look. Ensuite, nous allons faire le teint. J'ai ça. Charlotte, elle ne veut pas finir. Il faut que je la secoue pour avoir du produit. Et puis je vais mettre aussi le fond de teint. J'étais contente. Vous m'avez dit qu'il était beau sur moi, le fond de teint de Givenchy. Je le trouve vraiment pas mal. Est-ce que ça vaut le prix pour... Ça vaut le prix? Disons que je suis contente de l'avoir. Je suis pas sûre que j'aurais payé aussi cher pour un fond de teint. Quoique si je devais investir cher dans un produit de make-up, ce serait peut-être du fond de teint. Et c'est tout. C'est quoi les produits dans lesquels ça ne me dérange pas de mettre plus d'argent? Fards à paupières. Les fards à paupières, je me dis maintenant, il faut vraiment que ce soit spécial pour que je mette cher dedans. Parce que... On a des alternatives. Bonne nouvelle, j'ai vu que Devina allait réouvrir bientôt sa boutique en ligne. Alors oui, je sais que c'est pas le moment d'acheter quoi que ce soit. Je le sais. J'ai pas envie de culpabiliser, ok? Chacun fait ce qu'il veut comme il le peut. Et voilà. J'ai comme l'impression que ce fond de teint est mieux avec un pinceau. J'ai l'impression qu'il sèche assez rapidement. J'ai mal au doigt, j'ai une crampe. Quand un fond de teint est trop sec, il me rentre dans les plis ici. Not a good look. Oh, bah, va plus comme ça. C'est ce que j'aime. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour pouvoir le remettre comme ça. Ça donne un look un peu plus étiré aussi. Puis ça laisse plein de place pour faire du maquillage. Pas si pareil, ça va. Du coup, j'ai des sourcils qui se ressemblent maintenant. Et chut. Ce qui est pas pour me déplaire. Là, j'aime bien. Je suis en paix avec mon sourcil. Ensuite, je vais faire mon ras de cils. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Je prends la couleur Stoned. Et puis je vais prendre la couleur Jade. Et ensuite, je vais prendre la couleur Peridot. Je vais mettre... Ah, j'ai un nouveau mascara aujourd'hui déjà. Je vais mettre mon mascara, mon primer normal. Vous savez quoi? J'ai envie de mettre du eyeliner bleu dans ma muqueuse. Eh ben, qui ne tente rien est un imbécile. Boum. Eh ben, c'est beau. Rimmel Scandal Eye. Ils tiennent très bien. Que j'en rachèterai? Non. Non cruelty free. Quelqu'un m'a demandé où est-ce qu'on trouvait la liste des produits qui sont pas cruelty free. Vous tapez... Cruelty Free Makeup, vous allez tomber sur une liste. Il y a la SPCA, la SPA. Est-ce que c'est la SPA la... Oui, c'est ça. Sinon, je suis sur Instagram de Cruelty Free Kitty. Et de toute façon, je me transmets les informations telles qu'elles arrivent le plus vite possible sur les réseaux. Mais il y a toujours une liste qui traîne. Je la publie tout le temps. Dès qu'elle est mise à jour, je la republie sur Instagram, si jamais. Ou sinon, vous pouvez faire taper le nom de la marque que vous voulez et vous allez savoir si c'est cruelty free ou pas. Il y a des marques un peu sketch. Après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Mais bon. Ensuite, nous allons faire le teint. Je prends ceci. J'ai préalablement ouverte par Mathieu parce que je n'arrivais pas à l'utiliser, à l'ouvrir. Donc je prends la couleur de highlight. Là j'ai mouillé mon éponge et je trouve que ça va être plus beau quand c'est bien estompé à l'éponge à la fin. Sinon la poudre s'accroche dessus puis c'est, de près c'est pas très beau. Et je vais prendre la couleur... Je vais mélanger celle-là et celle-là. Elle et elle. J'ai pas encore utilisé. On m'a demandé si je les avais utilisés sur le visage ou pas encore. Et je trouve que ça a l'air collant pour les yeux. Et j'aime pas la texture collante sur les yeux. Donc je l'ai pas encore utilisé. Et je vais estomper aussi à l'éponge. Vous
Je vais mettre la pourde, la même que d'habitude, celle de Hourglass. Je ne m'en lasse point. Et le bronzer, le fameux, toujours hâte de le mettre. C'est bon signe. Ensuite, j'ai un gloss. Alors là, ça passe ou ça casse. Hein. Je ne sais pas si je le garde ou pas. Jésuite. C'est un gloss de chez NYX. Un petit peu multichrome comme ça. Je ne sais pas si vous allez me voir. Il s'appelle Cocktail Party. Soirée cocktail. Je ne sais pas si vous allez voir. Bref. Je teste. Et il sent le PMB déjà. Donc... c'est pas moche, mais c'est pas l'effet que je recherche. Trop frost. Avec le temps, les goûts s'affirment. Voilà pour ce make-up. J'espère que vous avez appris, ce que vous êtes amusé. Et on se retrouve ce soir pour une autre vidéo. Ça va être un déclutter. Je vais commencer à essayer de filmer ça tout de suite. Et habillée et coiffée normalement. A tout de suite. Bye.